Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pas très longue. J'organise régulièrement sur mon groupe de broderie, broderie, tricot, crochet, enfin c'est un groupe où tout ce qui touche au fil, on vient en parler. J'organise régulièrement dessus des échanges d'ATC, voilà. Donc les ATC ce sont des petites cartes. Alors, on peut les scraper, voilà. Bon, nous, on les brode sur un thème que je donne. Voilà, donc là, cette fois-ci, le thème, c'était les vacances. C'est d'actualité, hein. Moi, j'ai fait mon échange avec Sabrina, voilà. Et j'avais reçu une grosse enveloppe. Bon, ça fait déjà quelques jours que je l'ai, mais je n'avais pas eu le temps de vous faire la vidéo avant. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Il n'y a plus rien. Ah, voilà. Alors, j'ai d'abord eu... voilà. Cette petite poche un peu en forme d'enveloppe avec un petit mot et un petit dessin, voilà, comme ceci. Donc c'est un bonjour de l'âne de la montagne, voilà. Et dedans j'ai un petit mot pour moi. Donc ça c'est une petite pochette qu'elle a fait au crochet, voilà. Hop, vous voyez, hop, si on ferme ça fait une enveloppe jolie avec un voilà une petite décoration comme ça en plastique transparent et un petit nœud. Hop, je remets la petite carte dedans. Je vous montre l'ATC en dernier et j'ai eu la surprise également. Donc je pense que tout le monde veut que je brode jour et nuit. Non, mais c'est très sympa, au contraire. J'ai reçu un kit de broderie. Voilà, je vous montre le dessin. Donc, ce sont deux tigres. Voilà. Je cherche la marque. La marque Charouge. Je crois que c'est ça. Ça doit être ça, le chat rouge. Alors, dedans, bien sûr, alors j'ai des petites explications. J'ai la grille, voilà. Donc, il y a combien de couleurs? Il y a 19 couleurs. Et du point arrière, il y en aura 3, 6, 7. Il y aura 7 points arrière. C'est une toile en point compté. Donc, c'est une Aïda. Et ça doit être une Aïda 14, ça, je pense. Est-ce qu'ils l'ont écrit quelque part? Non, mais c'est une Aïda 14, ça. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc ça va, c'est déjà une grande broderie quand même, hein, une belle broderie. Là, j'ai les aiguilles pour broder. Et bien sûr, j'ai les fils. Alors, hop, j'ai déjà une échevette comme ceci. En plus. Donc ça, ça va être pour faire le fond. Et alors, attendez, je détouille, comme on dit par chez moi. Voilà. Ça vient. Bon, je vais y arriver. Voilà. Alors, je vous montre les couleurs. Donc, il y a beaucoup de marrons différents. Et j'en ai encore une ici.
Voilà. Donc des jolies couleurs. Bon, je ne sais pas encore quand est-ce que je le ferai, hein. On va essayer de finir les broderies avant. Mais j'aime bien le modèle. Donc voilà. Voilà, ça y est, j'ai su enlever les nœuds. Hop. On va bien remettre. Ça évite de refaire des nœuds. Donc, je suis contente de ce cadeau. Merci beaucoup. Je t'avais déjà dit merci, hein, mais je le redis. Et voilà la tessée qu'elle m'a brodée. Donc, avec Vive la mer. Alors, je pense que lui, ça doit être Nemo. Ou, ouais, il ressemble un peu à Nemo. Mais très, très joli. J'aime beaucoup. Très rigolo. C'est vraiment très sympa. Donc, elle l'a agrémenté avec des petits boutons. Voilà. Ici, il y a un petit bouton avec comme un bateau dessus. Je vous montre un petit peu plus longtemps. Donc voilà. Je suis vraiment très très contente de ce que j'ai reçu. Alors, moi, je vais vous. Enfin, attendez. Excusez-moi, j'avais les yeux qui pleuraient énormément. Oui, moi, je vais vous mettre juste après différentes photos. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, il doit y en avoir 3 ou 4, je ne sais plus, avec ce que moi j'ai envoyé à Sabrina. Et donc, vous allez voir mon ATC que j'ai brodé également. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé faire cet échange. Alors, je ne fais pas tous les échanges ATC sur mon groupe. Je les organise, mais je ne les fais pas tous. Car ici, le prochain, je l'ai fait sur le thème des Jeux Olympiques. Et moi, les Jeux Olympiques, malheur complet, hein. Je manque. Contre-fiche, mais alors un point. Surtout quand je vois tout le pataquès qui en avec. Voilà. Donc, j'étais pas du tout inspirée pour broder quelque chose sur ce thème. Mais c'est pas grave. Il va y avoir d'autres thèmes au cours de l'année et j'en ferai d'autres, bien sûr. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je remercie encore beaucoup Sabrina et je vais vous faire. Plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous!